J'ai la patate. Aujourd'hui, on va prendre un Uber, chercher la voiture. Et après, let's go pour prendre la route. Moi, je serai que tranquille dans ma tête quand j'aurai la voiture. Parce que pour l'instant, tout gros, ils me font paniquer. Mais avant de partir, je vous fais visiter la maison. Alors là, à droite, il y a une grande carte des États-Unis. Je trouve ça trop cool. Faut que j'en achète une. Et là, c'est une carte où tous les gens qui ont loué le Airbnb plantent. Et nous, on est là, Strasbourg, si ça te représente. Donc la maison, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Regardez la luminosité, regarde comme c'est. Avec la petite terrasse ici. Regardez, ils ont la petite vue là sur Seattle. Alors par contre, un truc que je comprends pas du tout. La maison, elle a une piscine grave stylée, mais genre à l'abandon. Mais genre vraiment, ils en ont rien à faire. Genre limite, c'est en train de tomber en ruine là. Alors que... trop de potentiel. Ça, c'est la petite salle à manger. J'adore ça, je vais faire ça chez moi. Pour faire une séparation, je trouve ça trop cool. Bon, la cuisine par contre, elle fait un peu rap. Mais le salon là, le salon est magnifique. Ça, c'est trop cool. C'est vraiment une maison où il fait bon vivre. Belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse. C'est bon, on va récupérer la voiture. Je vais toquer à la porte parce que ça a rien de te demander, je pense. C'était pas moi. Retoque. Retoque. Bon bah il retourne pas, toujours pas de voiture hein. Je vais call. Ah moi je suis content, j'ai la voiture. Thank you. Bye. Il a pas l'air rassuré le monsieur. Du coup direction Port Angeles. Avec un détour par le Walmart. Exactement. Et Port Angeles, fan de Twilight, vous savez où on va. C'est-à-dire quoi? Say no to pan, say dites no. Dites non to... au mendiant. Au mendiant. Clairement, les gars, ils rigolent pas. Dites non au mendiant. N'aidez pas les gens. N'ayez pas trop bon cœur. Allez, je vous montre quelques articles américains. Donc déjà, oh, regardez-moi la taille des cornichons. J'arrive même pas à le lever. Mais maintenant la taille de ces cornichons, mais vous les voyez? Ça coûte combien ce machin? Ça coûte seulement 6,47$ pour à peu près des cornichons jusqu'à la fin de ta vie. Bon, on sort de chez Walmart et on se retrouve sous Foulay. Clara, elle commence comme les dernières vacances. En mode, puis elle pense à manger. Là, même là, je suis en mode, ouais, je commence à avoir des frissons, faut que je mange et tout. Vas-y, taille de là. A few moments later. Je commence à tomber malade. En fait, je vous ai pas dit. Là, j'ai un panari. J'ai jamais eu un panari. Faut que je l'aie aux États-Unis. Ensuite, j'ai un problème de kyste au niveau du coccyx. Je suis déjà allé à l'hôpital pour qu'on me l'enlève. Là, il est en train de revenir. Et du coup, j'ai deux infections. Et là, je sens que la fatigue, la fièvre commence à s'installer. J'ai pas le temps pour ça. Je dois aller voir Bella, voir Fox. La vie est difficile. Là, en plus, je commence à avoir des courbatures. Oh, babe. Ferme la voiture. Comme vous pouvez le voir, Clara, zéro pitié. Zéro. Là, on doit chercher un chargeur pour l'appareil photo de Clara pour qu'elle puisse faire des cute photos parce à Portland. Parce que tu l'as oublié. Bon, en soi, tu l'as aussi oublié de base. Et maintenant qu'on est mariés, on est une équipe, on gagne ensemble, on perd mais ensemble. Tu n'es pas marié quand tu l'as oublié. Ce qui est bien dans un couple, c'est quand une personne n'a rien à foutre de ce que tu dis. Bon, on n'a pas trouvé de chargeur de caméra, mais c'est pas grave, on a trouvé mieux. Un magasin entier rempli. Pour faire la fête, pour faire des soirées à thème, pour tous les événements que tu peux faire dans ta vie. Pour le 4 juillet, fête nationale américaine, après t'as des lettres géantes. Tu as tout classé par couleur. Il est au bout de sa vie là, il n'en peut plus. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Oh tu vois, moi si je vivais ici, j'achèterais mes meilleures barquettes en alu, rouge mais surtout rose, pour ramener mes assortiments de saucisses, fait avec amour. Et bien sûr, Gumi s'est arrêté devant les piñatas. Ça ne m'étonne pas, c'est la seule activité à faire. Un regard d'une petite piñata Encanto. We don't talk about Bruno. Alors, ok, vu que je me sens pas au top de ma forme, Clara va rouler. Pour la première fois aux États-Unis et la première fois en automatique. Et je lui ai clairement dit, prépare-toi, je veux m'endormir. Elle m'a dit, ok, mais t'attends au moins 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Ok, là. Hein. Non, exprime-toi correctement, là. Vous l'aurez remarqué, Clara, c'est pas la meuf la plus agréable. Non, vraiment, je peux vous étonner, hein. Mais.
Alors, ton pied là, le gauche là, tu vois, tu le laisses à gauche. Guigui auto-école. Le P c'est parking, c'est pour se garer. Ouais. Le R c'est reculer. N neutre c'est genre on bouge up. D c'est démarrer. L je crois que c'est sport, mais je suis pas sûr. En tout cas, donc toi là, hein ? On va faire L. Non, on va pas faire L. On va faire déjà tranquille. On va faire recul, on recule. Oh putain. Voilà, et là attention, attention, hein, doucement. Mais maintenant comment je fais? Je lâche le frein? Ouais mais léger. Oh merde. On dirait que tu passes ton permis. Vas-y ma belle, vas-y. Je vois rien, je vois rien. Vas-y. On regarde où? Freine, et maintenant, tac, tu le mets sur démarrer. Oh là là, ça... Ah. Tu roules doucement, voilà. Okay. Et maintenant? Et ben maintenant, tu regardes ton GPS, là tu vas aller à gauche. Ah non, maintenant on va falloir cross the road. Ah. Oh, freine surtout déjà. Vas-y maintenant, maintenant, accélère. Non, il y a une voiture. Vas-y, arrête. Oh putain, je reprends le volant là. Vas-y, accélère, dépêche. Non, je rigole. Calme-toi, il y a les shérifs après. Ah, il y a un démarrage en côte. Ta gueule, t'as une automatique. Et on n'avait pas déliré une fois sur un truc comme ça. Je sais pas là, moi je délire plus en fait. Bon, je vous dis à plus tard, je vais faire ma sieste. On verra si je suis au ciel ou si je suis arrivé à mon port. Claire, un petit message. Eh, il n'y a pas de message, la ville est difficile. Le cœur qui bat là, je sens pas. Elle a le permis depuis combien de temps? Je comprends mieux pourquoi elle a loupé trois fois. Je fais pas le malin parce que je l'ai aussi loupé trois fois, donc je fais pas le malin, mais... C'est bon, on n'est pas mort. Oh. On retourne chez Walmart pour acheter un scalpel. Parce qu'on a décidé de faire une opération d'ouverture du kyste. Avec aucune connaissance en médecine, bien sûr. Déjà, moi, je pense que ça va être chaud de trouver un scalpel. Ouais. Je vais aller chez eux, je vais faire web à scalpel. Knife, open, body. Non, pas knife. Franchement, je suis à un niveau où j'ai pas la force de te répondre. Vous arrivez au bon moment, les gars. Là, il y a Dr. Claclou, là. Salut. Donc là, Clara, elle est tombée sur la meilleure expérience de sa vie. Elle qui aime bien éclater les boutons blancs. Bah là, elle a clairement un truc rempli de pu. Ah. Faut qu'il soit bien vide. Mmh. Ah voilà, ça c'est une bonne position. Vous voyez comme elle kiffe. Mais à l'église, il a dit pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est le meilleur ce que je vois pour toi. Du coup, on n'a pas trouvé de scalpel. Donc on fait à l'ancienne. Comment on éclate les points blancs? Bah vas-y, on presse. Bon, Guillaume, maintenant je vais désinfecter la colle. Est-ce que tu veux que je souffle? Non, t'arrêtes. Au bout d'un moment, souffler ça sert à rien du tout. C'est bien. Décompresse les jambes, j'ai plus accès à la zone médicale. C'est de l'eau ou de l'alcool que t'as mis? L'alcool. Repuissons le mec sans rien et tout. Abuse pas non plus. Il y a encore un petit peu. Mais là tu presses là, de base Guillaume. Tu désinfectes, tu laisses le truc. William. C'est-à-dire c'est William. Je vois plus. Le problème c'est que là elle le fait plus, il y a plus de déontologie là, c'est juste du plaisir. Les gars, si ça c'est pas de la lune de miel, je sais pas ce que c'est. Bon les gars, je pars en poste, hop, du coup je vous laisse, on se rappelle. Donc dans la catégorie ouin-ouin, clairement, on nomine Guillaume. Hello l'équipe, je suis en train de me rétablir. Après avoir donné le Doliprane à Guillaume, qui a pris 18 ans pour le boire, qu'est-ce qu'il me dit? Oh, tu peux me mettre le petit plaid. Je l'ai pas dit comme ça, j'ai dit ouais, tu peux mettre le non, petit plaid. Non, c'est pas vrai, non. Donc il est là, donc maintenant son doigt est en train de guérir. Mais oui, quand c'est pas le coccyx, c'est le doigt, quand c'est pas le doigt. Allez, Charlie Ingalls, je te laisse. Oui, parce qu'on en parle pas assez de la déco de la chambre. Mais comment te dire? Les choupettes. C'est très... Bon, moi, je vais vous montrer la maison. Ce sera plus intéressant que ce Wawa. Ah, c'est un chouette Airbnb. Si vous êtes aussi haut dans le pays. Petit saule pleureur. Donc, ça, c'est la maison des gens qui nous accueillent. Je pense qu'ils ne sont pas là. Et après, l'entrée se fait comme ça, par le côté. Regardez, un peu bizarre. Donc là, il y a leur garage. Et après, petite entrée, thé, café, voilà. Et la salle de bain. Simple, efficace, blanche, avec un moustique qui vient de passer. Oh, mais c'est pas un moustique, c'est quoi ça? Iou. Attends, moi, c'est mort. Désolé, mec, mais... Oh, c'est dégueulasse. Ah, il a encore envie. Il va s'attaquer, il va se venger. Attends. Meurs. Et là, on a... Le mâle alpha, l'homme, portrait. L'homme, le mâle. 2022. Et les gars, honeymoon. Oh, tu seras un de ses amours, tu serais là jusqu'au McDo. Imagine, il m'arrive quelque chose. Imagine, il m'arrive quelque chose. Ouais, mais imagine, t'arrives rien. Et tu me ramènes une meilleure double cheese. Bon, ok, on se revoit peut-être plus tard, ou alors on se revoit demain en fonction de la forme de Wawa William. Les gars, on se revoit demain, je suis pas en état aujourd'hui pour vlogger, je suis navré. Je sais que ça vous rend triste, mais vas-y. Donc aux 70 personnes qui nous suivent, désolé, mais on se retrouve demain. Bisous, ciao. Ciao.